Madame le Coco. Madame la gouverneure Karen Ashton, le premier ministre aux hommes selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour chers papouas, bonjour chères papouases, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je me porte bien, le week-end est derrière nous. Nouvelle semaine de dépapourisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est moi, DJ Moulou Koukou, le président le plus célèbre de la planète, président élu démocratiquement à vie de la... De la Papouasie. El Cuadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Jamais de dépaporisation sans les membres influents de mon gouvernement. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Gbere City. Karen Ashton. Bonjour. Karen Ashton. Bonjour. Oh yeah. Très belle tenue. Merci. C'est une tenue de fée. Merci. De fée. Je suis une fée. De feu. Fée. Non, je suis une fée. T'es une fée en feu. Ça va bien? Ça va. Ça a été le week-end? Oui, tout doucement. D'accord. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le feu. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Ça va bien? Ouais, oui, ça va. Oui, ça va. Ça va, t'es sûr? Ça, ouais, ça va. T'es sûr que ça va? J'ai dit. Bon, alors tes lunettes, deux secondes, on va voir. On va être sûr. Depuis qu'un premier ministre dans les autres présidents. En fait. Si au moment où tu me demandes, je répète, pourquoi il me demande d'enlever mes lunettes? Monsieur le président, enlevez les lunettes. Vous êtes de mèche. Depuis quand une gouverneure demande dans les autres. Attention, cher papa, ne vous m'apprenez pas. Le week-end a été difficile. Mais tranquille, ça va. Mais on dit ça va. Mais ça a toujours allé. Ouais, ouais, ça va. Ok, d'accord. Ça va bien. Alors, les amis. Tu remets encore? Ouais. Mais enlève. Tu es beau, tu as de beaux yeux, en fait. Merci. C'est pour ça que je les cache. Ou éviter de faire beaucoup d'effets. Repas poise. Merci. Alors, j'ai un anniversaire. L'anniversaire d'une personne très importante pour moi. Il s'agit de mon petit frère. Mon petit frère chéri. Pour ceux qui écoutaient mes sons à l'époque, mes featuring, il y avait un nom qui revenait à chaque fois, Angeloli Kisopapa. Angeloli Kisopapa. Voilà, il s'agissait de mon petit frère. Il vit à Dieu-Koué. C'est son anniversaire aujourd'hui. Dieu Ange Patrick Xavier. Petit frère, que Dieu te bénisse abondamment. C'est mon premier fils. Ouais, c'est, je ne me rappelle pas la fois où je me suis mis en face de quelqu'un pour parler. Et quelqu'un dit... Angelo, ton grand frère, il fait le discours là-bas. Quand lui, il arrive, en fait, il gâte. Et puis on dit, non, c'est pas lui, c'est lui. Il dit, ah, lui, il a raté. C'est mon premier défenseur. Donc, Angelo, que Dieu t'accorde longue vie, petit frère. Longue vie et bien de choses à ta famille. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et bon anniversaire aussi à Kwao Sylvie, épouse Gay. C'est la femme de mon frère, Gay Dion, à Issia. Bon anniversaire, ma chérie. Et que du bonheur. Ah, Marie-Gré. Non, c'est Yakuba. C'est Yakuza. Ah, Gay Yakuza. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est Yakuza. Voilà. Okay. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Ozone, tu penses à quelqu'un? Ouais, je pense à toute ma famille. Je pense surtout à mes gars qui étaient avec moi ce week-end. D'accord. Voilà, Doy, Ricky, David. Il va mieux, Ricky? Ouais, ça va. Ça. D'accord. David, Donald, voilà. Jonathan, Marie-Ange, voilà, toute mon équipe. D'accord. Voilà. Karina? Je fais un coucou à Jésus J, que vous connaissez, chorégraphe, danseur. En tout cas, mon frère, merci pour la Jésus que tu me fais moyen deux jours là. Monsieur le Président. Tu fais peur par moment. Hein? Monsieur le Président. Oui. Selon la Constitution, notre gouverneur n'a absolument pas le droit de consommer... Mais il n'est même pas encore fini. ...de consommer des parties intimes des animaux. Pourquoi à mon tour là, vous faites comme ça? Non, il n'est pas on fini. On salue Jésus Dieu. Et puis, on lui dit merci. Ça gonne ma sasse pour malade stratège. Jésus Dieu. D'accord. Donc, Jésus, on lui dit merci pour ce que tu manges. Mmh. Et vraiment merci. Mmh. D'accord. OK. Je fais un big up aussi. J'embrasse la fille d'Ozone qui ne se portait pas bien. Vraiment que Dieu la restaure. Bisous, mon amour. Alors, aujourd'hui, c'est lundi. C'est lundi. Yeah. Et nous avons des papos à dépaporiser. Oui, parce que les dossiers jonchent le long du bureau du président. Allons-y découvrir le sommaire. Sommaire de Showbuzz. En vacances à Dubaï, le footballeur international ivoirien Amad Diallo au centre d'une polémique. Détails et dépaporisation dans cette émission. On sait tous la supposée dépression du suspect 95. On vous explique ça tout à l'heure.
Excellent danseur et chorégraphe, Bébé 111 est devenu chanteur. Comment ça va pour lui? Il est l'invité des autorités de la... poésie. Nous recevons le premier invité de cette semaine, grand chorégraphe, grand danseur devant l'éternel aujourd'hui, chanteur, recevons Bébé 111. Bébé 111 est en Papouasie. Bébé 111, c'est un kimono? C'est un kimono, mais c'est... C'est qui? Impumpe. Vous voyez quoi? Impumpe. Bébé 111, ça va bien? Super bien. Bah ouais, ça va être beaucoup de plaisir quand on reçoit Papouasie. Tu connais tout le monde ici? Oui. Exactilite. Madame la gouverneure de Gbéré, c'est... Carrie, là, c'est pas... nous de... Exactilite. Et quoi? Exactilite. C'est ce qu'il a dit? Exactilite. C'est méchant, hein? Ça va bien? Super bien. D'accord. C'est là, Aquaba, en quoi, Papouasie? Alors, depuis le départ de DJ Rafa, tu es devenu chanteur. Ça se passe comment avec la chanson? On peut dire que ça se passe bien, lentement, mais sûrement. D'accord. Voilà. Karina? En 2021, tu as sorti Paco Solo. Yes, I. Qui était censé te permettre de te relancer. C'est pas faux. Est-ce que tu penses que tu t'es relancé? Ça t'a relancé? Bon, sur ce côté-là, je peux dire ça m'a relancé, mais pas comme il se devait. Donc du coup, beaucoup de mes fans se demandent qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je deviens et tout. Et là, je suis en train de me concentrer encore à préparer du look qui doit sortir, qui soit bientôt là, qui est la réponse à tous mes détracteurs et à tous mes fans qui se posent des questions sur ma carrière, quelle est la suite de ma carrière. Donc ce résultat, je l'ai pris en un mot pour faire le titre de ce qui sort bientôt. Paco Solo, avec Paco Solo, parlons aujourd'hui. Parce que tu t'attendais à quoi? Tu attendais quoi avec Paco Solo? Avec Paco Solo, je m'attendais, puisque c'est après mon retour de Dubaï, après mes problèmes que j'ai fait avec Paco Solo. Paco Solo qui veut dire, en Afrique, il faut se coiffer, quand on perd quelqu'un de cher, ou on perd, bon, comme au village, il faut se raser la tête, reprendre tout à zéro. Donc c'est dans ce contexte que j'ai dit, bon, j'ai perdu Arafat, j'ai eu des soucis et tout commence à se bouleverser. Donc je reviens au pays, je me dis, pourquoi ne pas avoir une vision africaine, se raser la tête, créer un concept, tout ça, et solliciter des dames qui ont honte aujourd'hui, dont les cheveux poussent à 5 cm, excusez-moi du thème, ou soit à 2 km du front. 2 km comment? En arrière, au fait. C'est-à-dire tout le temps des perruques, ça dégage des odeurs, au fait. Tu es fait allusion aux autres? Non, pas, non. J'ai dit les femmes. Oui, les qui femmes. N'assument pas. Même moi-même, j'ai la tête lisse. D'accord. Donc du coup, je me dis pour un bel homme, c'est celui qui a la tête rasée. Mais Osé, sa tête n'est pas lisse. Mais tu non, sais, mais c'est un bel homme. Tu viens de dire, c'est quoi tu viens de dire? J'ai pas dit qu'il est... Tu mérites une augmentation. Mais c'est pas ça? Un bel homme. J'ai pas dit que c'est une personne lisse. Les vrais hommes, ce sont ceux qui se... Mais ils rassurent leur tête, quelque soit la tête. Est-ce que tu mérites une augmentation? Ah ben oui. Les bels hommes, ce sont ceux qui ont plus la tête lisse. Ouais. Pas ceux qui ont les cheveux, n'importe quoi. Voilà, donc j'ai sollicité les femmes en même temps les hommes. Et après ça, ça n'a pas donné comme je voulais. D'accord. Et du coup, je me suis plus rangé pour plus bosser. Ozone? D'accord. Alors, passer de danseur à chanteur, c'est un changement qui a été certainement... est-ce que ça a été facile pour toi, ce changement? C'est pas du tout facile. Quelles ont été les difficultés que tu Les difficultés racontes, sont... Est que, les difficultés est que, bon, quand tu es un artiste sans label ou sans production, que tu es toi-même à ta propre charge, tu es comme un artiste en concert sans instrumental. Ça c'est une punchline, hein? Voilà, ouais. tout ça, une sauce à plus de l'autre. C'est fort. C'est l'émotion, c'est l'inspiration de Kitoko. Voilà. Donc du coup, c'est pas facile, mais on ne laisse rien, on ne lâche rien, on est dedans à fond, jusqu'au fin fond du plus profond du bas fond, on va rien lâcher. Alors, j'ai dit, on dit là, on commence à se mettre avec des punchlines. Est-ce que tu as pris un coach de chant? Est-ce que tu t'es entouré de professionnels pour aménager un peu ta carrière? Au fait, sans vous mentir, j'ai pas de... Ce que j'ai dit, je m'auto-produis, je fais tout à ma propre charge. Parce que c'est quand tu es un peu structuré, soit tu as plus de moyens comme il se doit, là tu peux prendre telle personne parce que mine de rien, celui que tu vas prendre là, il vit aussi du son. Mais toi, tu n'es pas chanteur, est-ce que tu as appris à chanter? Je n'ai pas appris à chanter parce que je viens d'abord d'une école appelée EPP Eurogang, donc qui est le fondateur Eurobok, comme tout le monde le connaît, père à son âme. Donc du coup, Arafat même n'a pas suivi de cours des chansons, il n'est pas allé apprendre. Tout s'est fait sur le terrain. Donc, je suis un ancien. Donc, je me sers de ce que j'ai un peu appris
On ne finit jamais d'apprendre, voilà, j'ai un peu appris. Sauf qu'Arafat avait une base. Lui, c'était un chanteur. C'est ce que je te dis. À la base, c'était pas un chanteur, c'était un DJ jockey. C'était pas un chanteur à la base. C'était un DJ jockey. Un DJ jockey n'a rien à voir avec un chanteur. Ouais, mais à partir du DJ, à force d'être DJ jockey, il s'est dit que être DJ jockey, c'est celui qui joue la musique de ceux qui chantent. Mais pourquoi moi aussi ne pas chanter à mes Mais il faisait les deux. Voilà, non, ça n'a pas commencé d'un coup. Ça a commencé d'un pas d'abord, ouais. De DJ jockey. C'était progressif. Voilà, c'était progressif. Oh, Nyawa. Allons seulement. Est-ce que la Yorogang, c'est une école de chant? Non, quand je dis c'est une école, pour moi, Arafat, c'est une école. Parce qu'on part à l'école pour s'instruire. Ouais. Arafat, pour moi, c'est une école. C'est de là parce que beaucoup, moi, en fait. J'ai beaucoup appris, au fait. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, Arafat, c'est une école. Voilà. D'accord. Bébé Saint-Os est l'invité de la Papouasie ce lundi. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Exactement. Parce qu'on va te mettre de côté. Nous, là, en ce moment-là, il y a un problème. Exactement. C'est lui. Exactement. D'accord, OK. Il y a des paporisations. Oui. Joe. Buzz News. Karina Stein. Toujours. Karina Stein. Toujours. Yo, wow. The Queen. Of Barrett. Oh, yeah. Exactly. Exactly. Voilà. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Oh. Oswe, yeah. Yeah. Digbe, oh. Oh. Digbe. Oh. Digbe. Oh. Bébé Saos. Nya, oh. Karina, pourquoi on change de registre? C'est bizarre. On parle d'un footballeur aujourd'hui. C'est loin. Que veut dire cela? Molo Coco, on parle d'Amadialo. Amadialo, ok. Doudoudou. Amadialo. Oh, tu vas me rappeler mon père. Alors, il a fait quoi? Bon. Et tout. Il est actuellement à Dubaï. À Dubaï, tout. Mais c'est pas là le problème, hein. Ah ouais? Il a fait une vidéo qui est devenue virale. Et on regarde tout de suite et maintenant. En tout cas, je vais pas aller bar à 9 mois dans le froid chaque année pour aller marier une vilaine femme. Mes frères m'ont dit, allez, bro, allez marier Bozo. Marier même là, ils vont pas finir. Alors, comment vous réagissez aux propos tenus par Ahmad Diallo? Est-ce que ça... Bon, d'abord, comment vous trouvez les propos? Est-ce que ça vous choque? Ça m'a choqué un peu quand même. Parce que je ne l'ai jamais vu dans une vidéo en train de s'exprimer comme ça. Je n'ai jamais vu même faire une vidéo. Je n'ai jamais tombé sur une vidéo comme ça de lui. La plupart du temps, je vois des photos que des pages publiées et tout. Et pour moi, c'est quelqu'un de très timide. Voilà, vu comment je le voyais, en tout cas, c'est comme ça que moi je le voyais. Quelqu'un de très timide, donc ça m'a choqué un peu de le voir parler comme ça. Oui, ça m'a choqué. Aux yeux d'Afrique Bamba. Ouais, moi aussi ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué parce qu'après, voir ça comme ça sur les réseaux, on ne s'attend pas forcément à voir. Et puis c'est pas quelqu'un qui est dans ce monde, les buzz comme ça. Les buzz et tout. On le connaît à peine, on le connaît pas spécialement, tu vois. Donc, voir ça comme ça, bah, écoute... Donc, ça vous a choqué. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qui vous a choqué, réellement? Qu'est-ce qui vous a choqué, même, dans la choquance? C'est quoi? Ses propos. Les propos? Oui. La manière même de s'exprimer pour quelqu'un qui représente la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, ce qui m'a un peu choqué. Choquant, ce qui m'a choqué. Choquant, ce qui m'a choqué. Mais c'est dit comme ça, vilaine... Je crois que c'est ce qu'il a dit, non? Mmh. Vilaine femme, tu vois? Mmh. Est-ce qu'on peut réécouter vite fait? Vintage? Je vais pas aller par à 9 mois dans le froid chaque année pour aller marier une vilaine femme. Mes frères m'ont dit, allez, bro! Allez marier Bozo! Marier même là, on va pas finir. Ben voilà, tu vois, non? C'est une personnalité, parce que c'est un footballeur international. Quand il dit ça comme ça, c'est choquant. Ouais, c'est choquant. Choc, ouais. Dit vilaine femme, ouais. Boson. Ouais. Tu vois. Comparer une femme à Boson. Ouais, c'est choquant. Ouais, c'est lourd. Hein. Ouais. Alors, dans ses propos, Ahmad Diallo a mentionné ses frères sang. Bon, non, le frère sang, c'est ses amis. Mmh. Voilà. Alors, est-ce qu'on choisit sa femme pour ses amis ou en tenant compte de ses amis, Karina?
Il a dit dans la vidéo, si je prends une vilaine femme, mes amis vont dire, il n'y a plus besoin. Moi, je pense que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Lui, il peut prendre une jolie femme. Tu connais camaraderie. Ils vont te dire qu'elle n'est pas jolie. Si eux, ils trouvent qu'elle n'est pas jolie, toi, tu peux la trouver belle. Ça veut dire qu'en fait, souvent, quand on est amoureux, on a un caillou dans nos oreilles. Souvent, dans, celle nos que yeux, tu... dans nos yeux. Souvent, même quand tu trouves ta chérie jolie, tes amis ne la trouvent pas jolie. Mm. C'est parce que tu l'aimes que tu ne vois pas ce que tes amis voient. Mm. Tu comprends? Donc, on ne choisit pas sa compagne ou bien sa compagne ou bien sa femme à cause de ses amis. D'accord. On choisit sa chérie parce qu'on l'aime. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui nous plaît. Mm. Voilà. On ne choisit pas sa chérie à cause de ça. D'accord. Mm. Alors, il faut rappeler à tous les papouas que, pour ceux qui savent pas, boson, c'est des galettes. Bah. C'est des beignets. Des beignets. Parce qu'il y a rouge. C'est le gros beignet. C'est comme on est à l'université, là. Oui, c'est le gros beignet. Pour ça, tu manges deux. Tu manges le lendemain. Ça, c'est un boson. Oui, boson. Ça, c'est un goudio. On dit boson. Ah oui, quand ça. C'est une galette, mais dans notre jargon, on dit boson. Souvent, c'est quand c'est vieux, mais c'est doux. On dit quoi là? C'est ça, on appelle boson. Mais le nom, c'est boson. C'est quoi? C'est quand ça vieillit, là, on dit boson. Ah, d'accord. Sinon, mais c'est il dit que sa beauté est vieillissante, donc. D'accord. Boson? Oui, c'était quoi la question? Tu t'es perdu comment? Oui, donc, est-ce qu'on choisit sa femme? Non. Ses amis. D'abord, quand on choisit une femme, c'est il y a un premier contact. C'est quand tu vois une go, tu ne penses pas à tes gars tout de suite. Hein, tu penses à toi-même. D'accord. Tu penses à ce que tu kiffes. Il y a un truc qui t'attire et puis tu te laisses aller et puis l'histoire commence. C'est après que tu présentes à tes gars. Hein. Ou bien tu peux dire à tes gars, ah Joe, moi, j'ai rencontré une go là. Ah, les gars. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. Toi, tu tapes le son, tu tapes le son à tes gars comme ça, tu informes tes gars. Voilà, mais tes gars ont dit, ah, mais c'est où? Tes gars ont cherché à la voir. Maintenant, avant que tes gars ne la voient, là, toi, tu as. Toi, tes gars pour le travail de fond. Tellement tu as parlé d'elle, ouais. Eux-mêmes, là, ils n'auront même pas. Je veux dire, ils n'auront pas autre chose à dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais toi, tu viens, tu dis à tes gars, ah, non, j'ai connu une go là, ce qu'elle suit. Elle est pas jolie. Mais je la kiffe, c'est pas comme ça on dit. Non, c'est pas comme ça. Quand tu viens là, tu dis, ah, toi, hey, moi, tout le monde là. Champion. Moussola, comment est-ce que tu vois, non ouais. Quand tu dis ça, quoi, c'est fini, moi, c'est fini. D'entrée de jeu, quand elle va arriver, même là, ils seront bien de vie, elle est jolie. Parce qu'ils savent comment tu as fait à ta vie. Voilà. Tu as faim. C'est toi qui impose ta chose. Dis-toi même, déjà, tu as commencé à dire non, les gros, machin. Toi-même, déjà, tu commences, tu t'as décroché ta porte. Souvent, même là, le gars, c'est que. Souvent, même, le gars présente sa chérie à ses amis. Il sait que la chérie n'est pas trop ça. Mais ce qui fait qu'il aime sa chérie, ce qui fait qu'il trouve sa chérie belle, il n'y a pas que le visage, il y a aussi le physique. Souvent, il dit. Je vous présente madame, un chéri, lève-toi un peu, on te voit. Si tu as vu le visage, qu'elle n'est pas contente, quand elle va se lever, tu vas voir fille. Ça, c'est calmé. Toujours. Ça, c'est calmé. C'est comme si la force, moi, quelque chose. Voilà. Toi, tu voulais réagir, Bébé Saros. Ouais, je me dis qu'on ne regarde pas l'apparence, parce que la vraie apparence, c'est à l'intérieur, au fait. Parce que pour moi, la beauté d'une femme, c'est celle qui te comprend d'abord, un, qui est complice avec toi, deux, qui est là quand il faut. Quand il fait. Mais champion, toi, tu viens de croiser une goutte. Comment tu vas savoir que vous êtes complice? Non, c'est que la beauté d'abord, parce que tu allais présenter, c'est ta goutte. C'est ça, elle, tu viens. C'est pas vrai. Elle est ta complice. Ouais. Tu n'as pas à la connaître, ta mère, tu as dit que c'est ma femme. Bon, la beauté physique, au moins, compte pour combien de pourcents? Oui. Même ça compte, parce que c'est le physique que tu regardes avant d'aller. Bon, avant d'aller. C'est pas avec. Mais la beauté physique compte. Je dis pour toi. Le physique, c'est le premier contact dans toute relation. Mais il n'y a pas de personnes. Maintenant, après, maintenant, là, c'est le reste qui suit. Là. Ok. Demande un tintich. Ouais, tintich, non? Non. Ozone. C'est qui Amad Diallo? Pour ceux qui ne suivent pas. Amad Diallo est un footballeur international ivoirien, né le 11 juillet 2002, donc il y aura bientôt 21 ans. 2002. Comme ta fille, Moulou. Oui. D'accord, moi, je ne sais pas. Ta fille, à quel âge? Ma fille, elle a 21 ans. Elle a 21 ans. Elle est née en 2002 aussi. Un peu comme lui, non? Ouais. Hein? Non, c'est mon enfant. En plus, c'est ta quatrième fille. Il appartient au club anglais Manchester United. Selon le site wtfoot.com, il gagne 1,6 milliard de francs CFA par an. Ah, le vrai point. Vous savez qu'en Papouasie, on calcule bien les feuilles. Toujours. Écoutez-moi très bien. Il gagne 1,6 milliard de francs CFA par an, soit 136,6 millions de francs CFA par mois. Mm-hmm. 136,6 millions de francs CFA par mois. Mm-hmm. 31,5 millions par semaine. Mm-hmm. 31 millions. Mm-hmm. Et chaque semaine, ouais. 31 millions. Mm-hmm. 4,4 millions par jour.
186 947 par heure et 3279 par minute. C'est-à-dire que lui, chaque minute... Il a 3000. Il a 3000. Calcule ça. OK. Un homme moyen doit travailler pendant au moins 6,3 ans, OK, pour gagner la même chose qu'Amad. Bon, il faut, en seulement un mois. Il faut saluer... Amad gagne un mois, là. Toi, t'as gagné... C'est un homme normal, là. Ça paraît 6 ans. Il faut saluer Eustache Nyabak, bon vendeur de terrain aussi, qui connaît... C'est quelqu'un qui vend terrain. Il connaît, il calcule les mètres carrés pour faire les prix. Eustache Nyabak, oui. Mais Amad Diallo, là, est-ce que son cœur est pris? Karina. Toi, Karina. Attends, elle lui répond. Karina. J'ai demandé. Ok. Vas-y, réponds. Posons son cœur pris. Quelqu'un qui parle quoi là. Elle s'en va qui son cœur pris. Après, son cœur n'a qu'à être pris comment. Ah. Ouais, comprends pas. Mais elle voit quelqu'un qui parle quoi, c'est qu'il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il n'est jamais marié. On est en train de spéculer sur le mariage surprise de Karina. De Karina. Bon, on va en parler en profondeur. D'accord. Après non. Cette démonétisation. Ok, on va en parler. Laissez-moi comme ça. Alors, quand on a beaucoup d'argent comme les footballeurs, est-ce qu'on peut vraiment épouser la femme qu'on veut quand on a l'argent comme les footballeurs, Karina? Je dis. Viens la chercher ce matin. Karina, t'as pas donné mon compliment. Hein? T'as pas entendu mon compliment. Ok, on y va. Tu as dit quoi? Il était chic ce matin. Mon loukoukou, je dirais merci. C'est quoi la question? Est-ce qu'on peut marier quand on a l'un comme le football? Est-ce qu'on peut marier la femme qu'on veut? Déjà, même quand on n'a pas l'argent, on marie la femme qu'on veut. Mais on t'as... marie selon son cœur. Mon loukoukou, on t'a obligé de marier Bintou. On t'a obligé à marier Bintou. Les esprits m'ont obligé. Les esprits. Amen. Mais toi, tu as entendu, tu n'aimes pas bien. On n'oblige personne à marier quelqu'un. Ouais. Tu maries selon ton cœur, selon ce que tu ressens pour la personne, ouais. Que tu aies l'argent ou pas. Souvent, il y a des gens qui se mettent ensemble, ils se considèrent comme mari et femme parce qu'ils s'aiment. Même s'ils n'ont pas les moyens, ils savent que celle-là, c'est ma cote, ou même celui-là, c'est mon mari, tu vois. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais on n'a pas besoin d'être footballeur pour marier la femme qu'on veut. Ozone. Ouais, quand on a un comme le footballeur, c'est vrai que on a beaucoup de chances de marier le genre. Enfin, tu peux choisir, puisque tu as les moyens, tu peux choisir la femme que tu veux. Ouais. Voilà, mais c'est pas évident que cette femme-là te veuille en retour. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Quoi qu'aujourd'hui, l'argent est devenu le centre d'intérêt principal de beaucoup de personnes. Sinon, normalement, c'est pas l'argent qui fait l'amour. C'est pas l'argent qui l'argent n'a vraiment rien à voir. L'argent ne pèse même pas. Dans l'amour, en réalité, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc. Alors, Amad Diallo, nous on te souhaite de très bonnes vacances parce qu'il est à Dubaï en ce moment et tu viens en Papouasie quand tu veux. Mais il faut savoir aussi que chez nous les Papouas, toutes les femmes sont belles, n'est-ce pas? Oui, il oui. Pas besoin ici. Il n'y a pas besoin. C'est les croissants. Comme c'est Sonia Kadé, la plus belle. C'est les brioches. Chérie, c'est les brioches. Bisous. C'est les brioches. Comme Bintou Dié. Voilà. Il y a le gros buzz. Le gros buzz. Gros buzz. Karina Style. Déjà. Ozone, on parle de Suspect 95. Oui, exactement. La semaine dernière, Suspect 95 nous a fait peur à travers des publications qu'il enchaînait. Et nous, on a spéculé ici, on a dépaporisé, on a parlé avec les Papouas. Chacun a donné son avis là-dessus. On a donné beaucoup d'hypothèses possibles. Mais à la vérité, il ne s'agit pas d'une dépression, comme beaucoup ont cru. Il s'agit de quoi alors? Alors, en fait, Suspect 95 a fait ça pour la bonne cause. En effet, il faisait la promotion de la santé mentale de la jeunesse. Donc, lui, il a porté donc sa contribution donc, à la sensibilisation sur la santé mentale de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Suspect a même fait une vidéo, justement, pour expliquer tout cela. Et, ben, écoute, on va regarder. Salut tout le monde. J'aimerais commencer cette vidéo par vous dire que je vais très bien, rassurez-vous. Ces derniers temps, j'ai eu à faire des posts qui ne sont pas dans mes habitudes et vous avez remarqué. Rire, dénigrement, moquerie, comparaison. J'ai vu toutes sortes de réactions. Chacun a interprété comme il voulait, sans forcément chercher à comprendre. Je voulais attirer votre attention sur une chose, la santé mentale. Quand quelqu'un change de comportement tout d'un coup, peu importe comment ça se manifeste, il ne faut pas s'arrêter à la forme. Ça doit vous alerter. On doit être attentif à tous ces changements et ne surtout pas juger ni en rire. Pour toutes ces personnes qui se sont inquiétées, je vous dis merci
Et c'est ça le comportement à avoir, c'est ça l'attitude. Le simple fait de se sentir soutenu permet d'aider toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles. Et justement, pour toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle met à votre disposition ces deux numéros verts, le 143 et le 125. Tu peux avoir tous les problèmes du monde, mais tant que physiquement et mentalement il y a la santé. Assuré, Suspect 95 ne fait pas une dépression, Dieu merci. Alors, que pensez-vous de cette initiative qui est du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique? Karina. Belle initiative. D'accord. Belle Ozone initiative, ouais. Ouais, c'est une très très belle initiative. Hein. C'est toujours bon de sensibiliser parce que c'est quelque chose qu'on ignore aujourd'hui. Je pense qu'on en avait parlé ici. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression, mais on n'en parle pas assez. Donc c'est très bien qu'un artiste de sa trempe comme ça lève le voile sur la question. C'est un très bon modèle, c'est un très bel exemple. Et puis, c'est un signal fort, n'est-ce pas? Alors, vendredi, Suspect 95 a dévoilé un nouveau clip de son album Société Suspecte. Le titre de la chanson, c'est « Il y a la santé ». Regardez. Alors, comment vous trouvez le clip de Suspect 95, Karina? Un beau clip! Ozone, Afrique Mama! Ouais, c'est magnifique. Mais c'est bien. Beaucoup de créativité, beaucoup de belles couleurs. C'est fou ce que les artistes écoutent par moments nos critiques et tout. Ouais. Tu vois, on a parlé de la vidéo de... on a transmis le message des Papouas. Et voilà, on nous sort une vidéo, mais magnifique. Ouais. Comment tu trouves déjà... Super cool, super propre et tout. D'accord. Bon. Voilà. Le scénario, tout est bon. Alors, est-ce que ceux qui ont pensé à un buzz pour lancer un projet étaient vraiment à côté de la plaque, Karina? Parce que de toutes les façons, après, c'est un projet qui sort. Mm-hmm. Bien vrai que c'est une sensibilisation, mais c'est un morceau qui sort, c'est un clip qui sort. Ils ne sont pas à côté de la plaque, mais... C'est un buzz. C'est un buzz. Donc, ouais, les gars, ils n'avaient pas tort, parce qu'effectivement, ça crée quand même beaucoup de bruit sur les réseaux. Un gros buzz, mais vraiment bien orchestré. Ouais. Bien orchestré, parce que, ouais. Voilà, c'est comme ça doit se faire. C'est une très belle stratégie. Alors, Suspect 95 ne nous avait pas habitués à cette stratégie, à ce genre de buzz pour lancer un projet. Est-ce que vous pensez que ça va lui être préjudiciable, Karina? Moi, je dirais oui, parce que tu sais, le jour qu'il sera vraiment en dépression, les gens vont penser que c'est encore pour envoyer un projet, c'est encore un buzz. C'est ce qui dérange un peu. D'accord. Pour un artiste, parce que je ne souhaite pas, il peut être dans des difficultés et puis vouloir exprimer ça sur Facebook, moi encore dire, oh non, c'est comme la dernière fois, là, c'est encore un buzz pour sortir un morceau, bien sûr, c'est une sensibilisation. Donc c'est un peu, voilà. Aux autres? Ouais, moi je vais être un peu plus positif. Que ce que Karina a dit, on peut parler d'événements heureux. Il peut annoncer un événement heureux, il peut dire qu'il se marie. On va dire, bon, peut-être que c'est pour annoncer un nouveau clip. Mmh. On va dire que c'est peu. On attend ce que ça va donner après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ben bon, on espère seulement qu'il ne va vivre que des événements heureux dans sa vie. D'accord. Alors nous, on retient une chose, c'est que Suspect 95 a fait tout ça pour la bonne cause, parce que les maladies mentales chez les jeunes en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Yeah. Donc faisons attention. Je salue Titia Grace Flora, Fatou Ouattara et puis tout le reste. Et moi, je salue Bidiakon Dapa, Michael Henrique, Larry Abdul, Kamagate Faman Lamine, Ahmed Jack. Pamadats Alkaï, Miracle Anzi, Sergine Kenyan, voilà, Fatou Ouattara, Vassendou Diomondé, Ouérémi Ibra, Marus Kwaku Oussou, Dieu est Dieu, Smith Orly Tunnel. Merci aux jeunes. Voilà. On marque la première pause de cette émission, on revient juste après. Vous êtes sur Showbuzz. Tout de suite, on passe à la pub. Danseur, chorégraphe et désormais chanteur, Bébé 111 est à fond dans son nouveau plan. Où en est-il vraiment? Que deviennent la danse et la chorégraphie? L'invité va tout nous dire après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous sommes dans la dernière semaine de cette saison. Parce que, bon, écoutez, il faut que le gouvernement se repose. Hein, donc, profitez de nous, chers Papouas. Voilà. Nous sommes avec Bébé 111, le premier invité de la semaine, qui sera maintenant face à toi. Bébé 111. Ouais, vieux. Bon, tu connais déjà le principe, hein.
tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Et gire, dis-donc. Vas-y, il a géré. Il a géré. Alors, tu reviens avec un nouveau son qui s'appelle PTT, qui veut dire « prends ton temps ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ce son, Bébé Sans? Ce qu'on doit comprendre à travers ce son est que, c'est ce que je le disais auparavant, est que j'ai beaucoup de mes fans qui sont en même temps patients et impatients. D'autres se disent que j'ai abandonné, on n'entend plus parler de moi. Avant même le départ de mon grand frère Arafat, après son départ, on m'entend après, bon, dans l'ombre, après j'étais plus au pays pendant 9 mois. Bon, c'est pour dire tout cela que ce titre, je l'ai choisi parce que, je veux dire en un mot, prends ton temps, parce que je prends mon temps à rester dans l'ombre pour plus bosser, pour plus être concentré. C'est quand tout sera prêt que je vais me mettre à la lumière. Et c'est à travers cette inspiration, à travers tout ce que je traverse en ce moment, j'ai décidé de... Intention, instantion, récréation. Donc, je disais... Donc, c'est ce contexte-là que je me suis plus concentré dessus pour vous dire, bon, pourquoi ne pas créer un titre « Prends ton temps », puisque tout ce que je fais, je prends mon temps. Dieu a créé le monde avec le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Voilà. Aujourd'hui, ta copine s'est mariée, tu l'as jalouse. Pourquoi? Prends ton temps. Aujourd'hui, pas le coucou. Tu es dans ton mouvement, tu es dans ton mood. Aujourd'hui, ça prend tes mouettes, tes frères, eux sont jaloux. À coup de papa, c'était non. Donc, vous, vous êtes plus votre père, on va prendre le temps sur moi. Tu vois, c'est un mouvement de temps. C'est un statut visé. Ouh, des statuts visés. Pas tout le monde. C'est vrai, on vous suit, mais ce n'est pas tout le monde qui vous aime. D'autres rêvent même d'être à votre place parce que l'intelligence que vous avez mis en place pour pouvoir créer votre mouvement, de dire, ah, si je savais. Pourtant, ils n'ont même pas pris le temps. Et bien, ça soit, ça n'a rien venu, non? Hey. Vous avez pris votre temps. Voilà, donc, ils n'ont qu'à prendre le temps. Donc, tu penses qu'il y a des gens qui rêvent d'être à notre place? Oui, c'est comme ça. Si tu n'es pas... Si tu n'as pas de concurrents ou soit de jaloux, ouais, c'est que t'es perdu. Est-ce que tu parles souvent avec ces personnes-là? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu, dans les causeries, tu... J'entends. Mais qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Bon, par exemple, pas que j'indexe, mais que non, c'est les mêmes trucs, ils ne disent rien de bon, ils préfèrent s'affairer sur la vie des gens, le défaire des vieilles personnes comme ça. Mais non, il faut s'affairer pour pouvoir donner une idée. Voilà, c'est un truc positif. Et ceux qui veulent nous ressembler, là? Ceux qui veulent vous ressembler, bon, je trouve que c'est un bon truc, parce que c'est ce que tu fais de bien, c'est ce qu'on cherche à copier. Une personne normale, d'abord, à la base. Donc, si on cherche toujours à vous copier... C'est que vous avez pris votre temps pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Imitez, mais jamais. Dégalé. Donc, voilà. Ils nous critiquent, mais ils veulent devenir comme nous. À cause de tout ça, là, tout ce mood-là, du coupé, décalé, du showbiz, tout ça, là, que j'ai désiré. Prends ton temps. Alors, prends ton temps. Tu vises quoi cette fois-ci avec ce son? Je vise le sommet, je vise la gloire. Amen. Reçois. Et la réussite. Reçois. Pour être toujours positif. Reçois au nom de Jésus. Ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever à chaque fois qu'on tombe. C'est bien dit. Prends ton temps, j'ai assez pris du temps et ça va prendre grâce à vous, grâce à mes fans aussi. Amen. C'est bien dit, c'est bien dit. J'aime ça. Je suis à l'aise dans ce morceau. Super. Tu aurais pu rester uniquement danseur ou chorégraphe ou même donner des cours comme le font certains de tes collègues, mais pourquoi tu as décidé de chanter? C'est ce que je dis, tout le monde s'inspire de quelque chose ou de quelqu'un. Moi, c'est bizarrement, j'aime pas en fait une généralité en général. En fait, c'est-à-dire quoi? La plupart, moi, j'aime me démarquer du troupeau. C'est-à-dire, aujourd'hui, depuis la base, à part Ziké qui était le meilleur dans cette Côte d'Ivoire, je suis le second. Ok, j'en passe. Et. Tu es le second? Je suis le second. Après Ziké? Oui. Hein? Dans quel style de danse? Parce que là aussi, il ne faut pas qu'on monte. Urbaine, aussi, hein? Urbaine, c'est de dire tout sort de danse. Moi, je danse tout. Seulement que et tu es le meilleur? Mais oui. Il dit le deuxième après Ziké. Je ne le dis pas. Je l'ai mérité. J'ai été honoré. Ce n'est pas moi qui ai pris un micro pour venir. Voilà. En 2006-2007, j'ai passé un grand concours. La plupart des autant des danseurs, même de roseaux, des danseurs de tout le monde a participé. Il y a eu des présélections et tout, de danse urbaine. C'est-à-dire, vous dansez, on peut mettre Bégbé, après Zouk, après Nyakba, après R&B, sans que tu t'en rendes compte. C'est toi qui as gagné aussi juste debout? Oui, c'est moi. Ah ouais. Plutôt, c'est nous. Oh, c'est nous. Si, moi si, et. Il y avait les tresses là. Moi et mon collègue, mon petit frère, du Jean Carton Rouge. Ouais, donc, ouais. Voilà, donc du coup, je vois que tous les danseurs sont focalisés. C'est vrai, avant, on parlait des Ziké, mais depuis, il est resté en Europe. S'il mange pas, l'Africain, quand on entend Europe, ah ouais, il a réussi, ah oui, l'Europe. Aujourd'hui, ça se moque. J'ai plusieurs moqués qui disent que toi, tu es danseur. Tu veux forcer dans ce qui n'est pas pour toi. Ça te coûte quoi d'aller rester en Europe comme les autres, développer ta science, faire ça, faire ça. Il dit, oui, c'est vrai, mais... Je veux créer quelque chose qui est dans mon map. En fait, dans ma vision, il y a un truc qui me dit que si je force, je vais y arriver. Et j'ai vu que,
En Europe, quand tu es danseur, c'est tout. On dit, ah, quand il vient déjà, ah, il est danseur, il est quitté en Europe, c'est juste la visibilité. Mais Bessan, est-ce que c'est parce que toi, tu es resté ici que tu penses qu'en Europe, il n'y a rien? Je n'ai pas dit qu'en Europe, il n'y a rien. Mais pour moi, pour ma vision, l'Europe n'est pas dans ma vision. Je préfère être à l'aise dans mon pays et partir en Europe, en Occident, faire des vacances, faire des clips, faire des trucs et tout. Je me dis, pour moi, un bon citoyen ivoirien ou soit africain, ça sert à quoi d'aller en Europe, sachant qu'il a un salaire qui se suffit, c'est business match et tout. C'est pour juste les vacances, juste une découverte. Mais quand tu étais, tu vivais de quoi là-bas? Quand tu étais en Europe, je vivais de mon art. C'est-à-dire avec Arafat et tout, quand il partait pour me laisser, il y a des promoteurs qui calaient quelques petits spectacles pour moi dans des bars et tout, tout. Je vivais que de ça et de souvent quelques coups de danse. Voilà. Mais j'ai vu que pour moi, je suis déjà. J'ai le don en moi. Pourquoi ne pas innover, créer quelque chose? Puisque je prends un exemple d'abord. Celui qui m'a plus inspiré, c'est Michael Jackson. Après Usher, qui était un ex-danseur qui est devenu chanteur. Chris Brown, pareil. Piscoué, pareil. Fally Ipupa, pareil. Ainos B, pareil. Qui parle de la danse doit forcément parler de la musique. Et qui parle de la musique, qui ne parle pas de la danse, c'est que c'est comme un artiste en concert sans instrument. Donc ça sert à quoi? Mais est-ce que quand on est danseur, on est obligé de chanter après? On n'est pas obligé, mais moi, ma vision, je me sens à l'aise parce que ce d'où je tire mon inspiration, c'est cet exemple que je vais prendre et je me sens à l'aise dedans. Oui, mais bébé, toi, tu prends l'exemple de Fally, par exemple. Mm-hmm. Mais Fally, de base, c'est un chanteur. Je veux dire que la danse, c'est une autre corde à et son toi, art. Toi, par exemple, tu es un très bon chorégraphe, un très grand chorégraphe. Mm-hmm. Pourquoi tu ne te sers pas de ça pour apporter, n'est-ce pas, ton savoir, pour créer peut-être ton école, comme le fait, ordinateur et tous les autres et tout ça. Pourquoi forcément la chanson? Est-ce que tu sais chanter? Ce n'est pas de savoir chanter, parce que tout s'apprend. Et c'est pas ce que monsieur fait. C'est-à-dire que le fait même d'être avec une grande personne, un grand monument qui t'a dit, une icône qui est Arafat. J'ai beaucoup appris aussi. J'ai dit, pourquoi ne pas essayer? Écoute, pourquoi on interdit nos enfants aujourd'hui de marcher avec des personnes qui sont de mauvaise foi? À force de marcher avec eux, on finira peut-être, pas peut-être. Il faut être fort pour ne pas être comme eux. Parce qu'un exemple, quand tu prends le poignet d'Achiké que tu le marches, s'il y a un mauvais grain, tu ne vas pas trier comme ça. Tu vas tout le baisser. Tu ne peux même pas te faire du mal. Donc voilà. Voilà. Il se passe, monsieur, au fait. Toi, tu es quitté, ouais, tes problèmes. Ouais, mais c'est ça. D'accord, ok. Ouais, c'est bien de me dire. Du coup, bon, voilà quoi, il faut persister. Il ne faudrait pas faire une idée générale parce que lui a fait ça. Non. Sors de l'ordinaire. D'accord. La vie d'un homme, c'est le risque même. D'accord. C'est le risque. Alors, tu as vu que tes collègues. S'en sortent. Oui. Je vais citer pêle-mêle. Ordinateur. Alingo, etc. Zota et tout le reste. Ça, c'est la vision à eux. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses déjà? Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'ils s'en sortent. Vous avez commencé ensemble, vous avez. Oui. Voilà. Moi, je dis que peut-être ils s'en sortent pour moi parce que c'est leur vision. On ne les force pas. C'est ce qu'ils ont choisi, c'est ce qu'ils ont décidé. C'est leur destin à eux. Moi, pas, c'est pas que c'est de la concurrence, mais tous ces danseurs aujourd'hui qui sont en Europe, il n'y a pas un même qui a plus voyagé, qui a connu des pays que moi. Moi, j'ai jusqu'à 8 passeports. Ce ne sont pas des tampons qui sont que des visas, Paris, Suisse, Norvège, Canada, Londres. Et ce n'est pas quel pays je n'ai pas fait. Mais ma vision n'est pas de rester en Occident et chercher encore à développer. Non, je veux forcer. Du moment, d'abord, pour être à la lumière, c'est difficile. D'abord, on me connaît déjà. Tu tapes sur Google, c'est que c'est un ancien danseur. Donc, pour moi, c'est de remettre dans la tête de mes fans qui me suivent pour dire qu'aujourd'hui, j'embrasse une nouvelle carrière. C'est-à-dire que je ne peux jamais danser. Puisque si je suis danseur, il faut que j'attende encore un artiste qui va m'inviter. Si moi-même je suis l'artiste, en même temps le danseur, mais je n'ai pas besoin d'attendre. Ah, il y a un problème d'organisation. Voilà ce que je dis. Vous êtes obligé de rebondir, oui. Je t'explique. Parce que si tu dis qu'en tant que danseur, tu seras obligé d'attendre qu'un artiste t'invite, alors qu'un bon danseur, là, il crée des spectacles. Je veux te dire, en général, c'est un artiste qui pose. Maintenant, est-ce que c'est parce que. C'est pas parce que tu as tapé pour toi en Bengui, par là, tu as 8 passeports, tu as voyagé. C'est pas parce que tu as tapé pour toi là-bas que tu replies ici, genre tu deviens chanteur un coup. Quoi. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça a... Plusieurs fois, Arafat est allé en Europe avec moi. Dernièrement, même, jeune personne, avant le décès de son père, Arafat est parti et moi et son père, nous l'avons retrouvé à Paris. Et Arafat m'a laissé à Paris 2 semaines avant que je ne retourne sur Abidjan. J'avais l'opportunité de fuir. Moi, j'ai une fille métisse. J'ai fou. En Europe, avec une femme blanche, que je pouvais faire son nom. Si moi, je veux les papiers... Alors, quel âge ta fille? Ma fille a 11 ans, 12 ans, bientôt 12 ans.
Donc j'ai longtemps, moi je peux me baser ça pour avoir mes papiers, je m'en vais et puis voilà, j'ai qualifié. C'est pas ma vision. Ma vision, je veux pétiller, je veux faire bim dans mon propre pays. Tu avais une femme blanche? Mon ex, j'ai pas une femme pour dire que je suis marié, non. D'accord, mais et celle avec qui tu venais à Abidjan ici, c'était une Marocaine, c'est ça? Pardon, Titi, mon ex, oui. C'est pas une Marocaine, c'est une Française malienne. Sa maman est malienne, d'accord. Son papa est français. Et toi, tu fais en blanche, en métisse, ça, c'est... Non, c'est pas moi qui le fais, c'est le destin, c'est pas ce que tu comprends, en fait. Ouais, c'est pas moi. J'ai des enfants noirs. T'as combien d'enfants? Mais oui, j'ai des enfants. Si tu as une fille, après, tu as des enfants. Non, j'ai dit, mes premières filles sont des jumelles. Elles auront bientôt 18 ans. Ah, tes premières filles sont des jumelles? Oui, elles auront bientôt 18 ans. Elles vivent où? Elles vivent à Boaké, mais en ce moment, elles sont à Abidjan. Abidjan, ok. Voilà. Et après elles? Après elle, bon, j'ai une fille qui est à Angré. Voilà. Tu n'as que des filles? Oui, j'ai que des filles. Alors, donc, tu as une fille. La deuxième. Avoir des filles, c'est une bénédiction pour moi. Non, mais c'est ce qu'elle dit. Mais tiens, c'est déjà une bénédiction. Voilà, donc je suis pas stérile. Tu as quatre enfants, maman différente. Oui, mais oui. Ok. Oui. D'accord. Exactement. Ça, souvent, c'est pas facile. Quand tu aimes une personne, la personne, tu sais, quand tu es aimé, et plus quand tu es connu, c'est difficile d'avoir une femme qui te comprend. Tu sais pourquoi c'est difficile. Dis-moi. Parce que quand tu es connu, tout le monde peut s'intégrer dans ta vie. Tout le monde peut raconter ce qu'il veut, parce que tu deviens comme un miroir. Tu as vu un miroir parler, tu viens, tu t'es mis différent. Quand tu finis, tu t'en vas, le miroir, lui, te donne ce que tu veux voir. Donc, ça veut dire que quand tu es plus connu, d'abord, tu n'es pas connu. On dit, en général, les hommes ne sont pas parfaits. OK. Maintenant, là encore, là, tu es connu. Tu as fait, tu n'as pas fait. Soit tu es couché, puis on dit, ah, bébé, soit c'est en buzz quelque part là-bas. Pourtant, c'est faux. Ta copine ou soit ta femme, si elle n'a pas l'esprit solide, fort, écoute, ce que tu n'as pas fait, on dit, tu as fait. Souvent, ce que tu n'es pas en dit, tu es. Il faut avoir une femme qui te comprend. Mais tu fais quoi pour que ta femme n'ait pas confiance en toi? Parce qu'il y a ça aussi. J'ai pas dit que j'ai une femme qui n'a rien dit. C'est difficile d'en avoir une femme. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ta femme ait confiance en toi? Parce qu'elle est sans ignorer que tu es artiste. Ça peut pas être difficile comme ça? Ouais. Tu me comprends pas. Parce que je dis, c'est une question de chance. Souvent, tu peux tomber sur une femme que tu peux aimer. Mais tu sais souvent ce que j'ai dit là. Souvent, il y a des personnes qui cachent leur comportement interne. Tu comprends? Et au fur et à mesure qu'elles se disent que maintenant, elle est la titulaire, il y a certains trucs. Elle se dévoile maintenant. Voilà. C'est un truc qu'elle ne pouvait pas supporter depuis le début que tu lui disais. Ça m'énerve parce qu'elle est là. Tu sais, qu'il y a beaucoup de stars mariées. Je sais que je dis, il y a beaucoup de stars là. Tu penses qu'ils sont mariés, c'est quoi? C'est moins. C'est quoi? C'est moins. Moins comment? C'est moins, c'est là. Donc tu veux dire que c'est parce qu'ils ont l'argent. Voilà, oui. Non, c'est pas pour le moment, ils sont bien posés, bien. Avant, là, avant que je sois dans mes problèmes aujourd'hui. Ça allait chez moi, j'étais marié légalement. C'est quel problème? Non, je sais pas. Quand je dis problème, je n'ai pas de problème financier. Mais depuis là, tu dis que tu es à Dubaï, tu as eu problème. Non, ça, je n'ai pas. Quand je dis mes problèmes, c'est-à-dire que dans la vie, il y a souvent où tu as l'argent, pas que tu es riche, tu t'en sors. Tu mousses plus? Non, je ne parle pas de côté moussé, je parle de côté de ton business en temps sortant. Et quand je dis que dans la vie. Mais ton business, c'était quoi? C'était la danse. Donc, il y avait de l'argent qui rentrait. On met la danse, c'est ce que je vais te parler. Je vais parler en général. Ça veut dire que, voilà, à un moment, ça ne va plus là. Pour marier une femme, mais même quand tu mets une femme pour la marier, là, c'est l'argent. Quand tu dis marier, là, d'abord, tu as payé robe de mariage. Tu as fait d'autres. Tu as fait tant. Ce n'est pas gratuit pour partir à la mairie ou partir. Mais bébé, ça ose. On ne choisit pas une femme pour la marier comme ça. C'est un parcours et tout. C'est ce que je te dis. Je te comprends. Tu dis que les stars sont mariés. C'est un parcours, mais ce n'est pas toute femme qui accepte ce genre de parcours jusqu'à ce soir après, c'est dévoile. Pourquoi tu dis que les stars sont mariés, c'est l'argent? Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit. J'ai dit en général. Moi, j'assume ce que je dis. En général. Non, je t'ai dit en général. Un homme même qui va marier sa fille, il t'a dit que mon ami, si tu vas marier ma fille, c'est que tu peux t'occuper d'elle. Bon, tu vas voir quel parent, tu vas voir que lui, mais c'est qu'en réalité, mais tu n'as rien. Et puis, c'est parce que ça pouvait passer pour dire que papa, il m'aime. Sinon, il n'y a pas un homme ici. Même toi, mais tu as des enfants. Tu n'as rien comme. Parce que puisque on tu as. Là... Quand je dis que je n'ai pas dit rien, vous ne comprenez pas dans le sens. Quand je dis rien, je ne me sens pas prêt financièrement pour pouvoir. Moi-même, là d'abord, il me cherche. Non, on parle pas de mariage. C'est maintenant que tu entends de parler de mariage. Tu as dit que. C'est tout ça que tu as dit. En général, les stars qui sont mariés. Et ils sont mariés, c'est quasiment à cause de l'argent. Moi, quand je parle du mariage, je parle de mariage financier. Genre, c'est des mariages légalisés. On n'a pas dit qu'ils soient quelqu'un, moi, on ne peut pas ça. Mais c'est ça que nous, on parlait. Toi, tu dis que. On a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de stars mariés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stars mariés. Tu dis que les stars mariés, là, c'est à cause des jets. J'ai dit la majorité. Mais quand tu veux voir, c'est selon les moyens. Mais quand tu dis la majorité. Mais quand tu dis moins, quand tu dis là, c'est pas forcément parce qu'il est riche jusqu'à. Bon, c'est quelqu'un qui va te marier, même pour payer, même Mourou, même là. C'est-à-dire que même tout ce qu'il doit faire, là, tout est condamné, souvent c'est pas ça. Souvent, mais champion, c'est organisé. Maintenant, si un moment, c'est. Moi, je m'étais marié, c'est pas comme si je me suis jamais marié. Champion, quand moi, je vais chercher mon mousseau, c'est comme. Qu'est-ce que je te dis? C'est une question de chance, une question de condamnation. J'ai déjà été marié légalement à la mairie. J'ai tellement marié, tout le monde le sait. Avec une américaine, j'étais marié légalement. Quand il s'est marié avec une américaine. Mais oui, ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis marié parce que pourquoi? Je me suis marié parce que je voulais me caser, je voulais avoir une vie tranquille et tout, faire ma vie. Mais ce qui s'est passé, c'est le destin, tout le monde voulait savoir. Tu as fait combien de temps avec elle pour aller te marier? J'ai fait combien de vous temps? Vous avez fait combien de temps ensemble? Mais écoute, le nombre de temps n'a rien à voir. Non, non, je veux juste savoir. Non, moi, c'est, ça, c'est... Ça, c'est personnel pour moi. Ah, ok, d'accord. Je peux voir une femme en deux, je peux la marier. C'est-à-dire que c'est le désir. Mais t'as l'argent? T'as l'argent? On dit pas d'argent. En ce moment, oui, en ce moment, j'ai mes suffisants. Voilà pourquoi je suis en train de parler. En ce moment, mes activités allaient. Donc, une femme que je prends pour mettre chez moi, je peux quand même lui donner manger matin pour moi, il sort. Mais tu avais l'argent, pourquoi vous êtes divorcé maintenant? Mais c'est les problèmes qui arrivent. Même les gens qui sont milliardaires. On ne peut pas dire qu'en général, ceux qui sont mariés. Non, d'abord, je veux dire d'abord la base même du mariage là. Si tu vas aller au mariage là, si toi-même t'arrives pas, t'es suffis. Moi, matin, mes soirs, tes trucs ne sont pas clés. T'as pas pris en faveur, mais c'est bon. Non, tu peux vivre avec elle, c'est ta copine, mais pour ta femme, elle est la mariée. Si je veux bien suivre bébé, ça. En fait, quand tu parles de toi-même, tu parles de ton cas. Mais en dépendant des cas d'équipement, moi, je parle de ce que j'ai vécu. Voilà, mais puis ce que je vois aussi. Mais pourquoi tu dis la majorité alors? Mais c'est ce que j'ai vu, puis ce que je vois aussi. Non, 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 non. Non, on a appris que l'Américaine, c'est elle qui s'occupait de toi. Pardon? L'Américaine, on a appris que c'est elle qui s'occupait de toi. Mais c'est absolument faux. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand tu es connu, chacun peut se permettre de... C'est archivement oui. Faux. Oui. Oh, j'archive. Mais oui. Non, c'est archivement faux. Mais vous, là, on est dans Buzz, non, on est dans archivement faux. Yedi. On dit la go, là, c'est elle qui s'occupait de toi. Mais là, Yedi, c'est faux. Yedi dit que c'est faux. C'est vrai que c'est faux. Elle s'occupe de moi. C'est toi qui la gérais. Aïe, on s'est géré. Ah, moi, nous, mais là, tout ce qu'on a... Moi, en tout cas, moi, il y a les sons. Non, attends. Moi, il y a les sons. On dit que Gola, c'est lui qui paye une maison, c'est lui qui paye... Elle te mettait bien en péril. Elle dit c'est elle qui coordonnait le mouvement. Coordonnait tout le mouvement. Mais est-ce qu'il y a honte dedans? Bon, attends. C'est pas question de honte. Dans la vie, ce qu'il dit, c'est les deux mecs qui se lavent. Oui. Voilà. Ce qui fait croire aux gens que cette femme va s'occuper de moi, il y a la vie. Attends, c'est un truc qui est simple et c'est normal. C'est quoi? Le jeu de mon anif. Elle décide de me faire une surprise, elle me fait un virement dans mon compte bancaire pour que je puisse payer ma voiture. Elle a viré combien? Donc, elle a payé une voiture pour c'est, lui. C'est secret, c'est des millions pour payer une voiture. Autant de 406 millions sortis. T'as pas 4 bâtons, t'as pas 5 bâtons et quelques là, tu peux pas payer 406. Donc, elle t'a viré les sous. Elle m'a viré une somme. Oui. Voilà. Et que moi, je me suis. Non, c'est ça. Que j'ai... Non, que j'ai complété. M'acheter une voiture parce qu'elle dit que non, qu'elle vient tous nos compteurs, c'est un peu risqué. Autant de où on agresse un peu les gens. Elle a payé une voiture pour toi. Elle m'a offert, elle m'a envoyé de l'argent que j'ai complété. Elle a acheté une voiture pour toi. Pourquoi tu n'es pas. Non, j'ai complété mon écoute. Non. Je viens. Il fallait avoir 3 millions, mais 4 millions. Non, il fallait 5 millions. 5 millions pour acheter, millions, peut-être mais à 5 pour acheter une voiture. Ah. OK? Oui. D'accord. Donc, elle te fait le virement pour que tu t'achètes une voiture. Pour que je complète, pour que je m'achète donc, une voiture. Donc, elle a parlé de la totalité. Elle a parlé de la totalité. Pour dire, ah, quand j'arrive, on tourne en taxi, c'est pas bon. Tiens, j'ai payé voiture. Non, mais elle m'a t'as dit. Complété là. Tu t'as complété, c'est la voiture que tu voulais payer. Non. Pourquoi tu refuses d'admettre même? Mais c'est ce que je vous dis. Elle m'a demandé quelle voiture je voulais. Quand elle m'a dit, voilà ce qu'elle peut compléter. Elle envoie moi, je peux compléter. Mais c'est pas dans son budget. Il dit, c'est pour moi, ça c'est entre moi, ma femme. Mais c'est pas beaucoup que c'est que toi tu as complété. Mais oui, mais je t'ai dit, je vais pas compléter. Non, c'est à cause de ça que les gens commencent à dire. Voilà que lui, elle s'occupe de moi parce que lui, la voiture. Mais la maison, elle paye, elle voulait pas aussi. Attends, mais c'est moi qui louais ma maison. C'est moi qui louais ma maison. C'est normal que si je tape peut-être, je paye ma maison pendant au moins 6 mois, 8 mois, il y a les jours où c'est chaud. C'est nous là. On n'est pas salarié chaque fin du mois. Ta femme c'est que depuis que tu l'as mariée, c'est toi qui fais tout. Il y a des jours où peut-être ça ne va vraiment pas. Oui. Elle va participer, ce sont les deux mecs qui sont là. Bon, on est mariés. Voilà, mais moi, il répondait, mais toi, tu parles quoi? Les gens s'imposent comme si chaque fin du mois, c'est qui paye. Non, je suis désolé. Toi, ta femme, ton ex-femme, elle t'offre un cadeau, ok? Tu dis qu'elle appelle, elle t'a offert une voiture. Oui. Bon, et puis d'abord, vous n'êtes plus ensemble, c'est il y a longtemps. Il y a quoi? Il y a quel problème? Putain, tu ne veux pas reconnaître que la goutte a offert une voiture. Elle t'a offert combien? Elle t'a complété combien? Ça, c'est secret, frère. C'est secret. Bon, regarde. Voilà. OK. Il y a quasiment un an, cette vidéo a fait le tour de la toile. On regarde. Il est libre. Bonsoir. Bonsoir. Non, je ne te pas bien. Bonsoir. Moi, c'est Yili, mais... Ah, on me salue mes mecs.
Ça va super bien. Et vous? Moi, je ne pose plus relation. Quelqu'un veut plus me parler. Bébé sans os. Yes, I. Bon, à défaut de ramper, toi, tu as fait un soumélélé. C'est-à-dire que tu as pris une position génitale, n'est-ce pas, pour être piqué. Alors, reptical même. Bon, explique-nous, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Moi, je vais être bref sur cette image-là. D'accord. Voilà. Ce jour-là, j'étais en prestation avec mon staff et tout. Moi, j'ai fini de prester. Et je ne sais pas qui est venu me chuter à l'oreille pour me dire qu'Emma Loué, c'est là. De pouvoir refaire une prestation. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Et ils ont remis le morceau, le dernier morceau, j'ai presté. Et quand je partais, c'est un de ces gars, lui, qui a arrêté là derrière, là, qui a sifflé, quelqu'un de venir, un jeune même. Les gens qui étaient à la cérémonie, qui a dit, ah, Emma Loué veut me voir. Moi, je partais déjà et j'ai fait demi-tour. Et je t'ai arrêté. C'est là, DJ Jacob, qui est derrière là, qui est en train de dire, toi, tu es cool, c'est toi, tu es cool, tu t'arrêtes devant les gens, que tu déranges les gens. Mm-hmm. Si tu prends ton argent, il faut quitter devant nous. Les gens, les autres vont regarder le spectacle. C'est ainsi que pour ne pas déranger les gens, je me suis juste abaissé, je me suis mis à côté dès le temps qu'elle va prendre mon argent, ou genre son argent. Et quand tu l'as dit, c'était de façon, c'était en termes de plaisanterie, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pardon? C'était en termes de plaisanterie, n'est-ce pas? De quoi? Quand tu as dit Jacob. Oui, c'est moqué de moi, genre, mon fils, tu écoutes, tu n'empêches pas les gens de voir, faut t'abaisser, c'est pas à cause de l'entendre empêcher les autres de voir. C'est ce qu'il est en train de me parler, puis il dit, tu es cool, tu t'abaisses encore, c'est que tu es vraiment plus cool encore. Puis on a commencé à rire et j'ai pris mon argent. Elle t'a piqué? Pardon? Elle t'avait piqué, Emma Loué. Elle m'avait? Elle t'a piqué, là? Oui, elle m'a piqué. Combien? Secret. Dans le secret, nous marquons la dernière pause de cette émission. On revient juste après. Vous êtes sur Showbiz. Tout de suite, on passe à la pub. Dans un instant, Bébé Sans Os va nous offrir une démo de son nouveau projet. Et puis, Ozone va nous donner des news. À tout de suite. Moi, ma mise à mousse est décalée. Mais mon mouvement, c'est mon mood. Tu vois, j'ai un mousse, t'es toi. Tranquille au calamar. Recevoir désormais. Tu peux bel matin. Papa na carotte. Give and beat. Je t'aime, t'as déjà mis la go en PP. Yéba, on applaudit, Bébé Sans Os. C'était juste une démo. Bébé Sans Os, le sort sans cause. Tout le sort. Le son sort quand? Bon, exactement, sans vous mentir, je nous suis monté douter sur deux dates. D'accord. Quand ça sera su, on va l'afficher sur les... Quelles sont les deux dates? Secret. Toi, tu es le secret. On dit, prends ton temps, je prends mon temps. Pété. D'accord. Écoute, on va s'informer avec Ozone Afrique Mama dans Show News. Ben oui, on va commencer par une note de bénédiction avec KS Blum. Dieu ne pile pas, Dieu pile pas foutou. D'accord. Voilà, on a vu le challenge, tout le monde a dansé dessus, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Eh bien, le son est disponible désormais sur toutes les plateformes. Dieu pile pas foutou, voilà, on peut écouter un extrait. Dieu pile pas foutou, il pile pas foutou. Dieu pile pas foutou, il pile pas foutou. Il donne loup, il donne banane, mais il pile pas foutou. Il donne bois, manioc, mais il pile pas foutou. Oh, chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Chacun doit faire son goût. Goudou, goudou, kibou, kibou. Chacun doit faire son goût. Chacun doit piler son foutou. Dieu ne donne pas chaise, mais il donne pas. Voilà, le son est disponible sur toutes les plateformes. Allez, regardez, continuez de faire les challenges pour donner de la force à l'artiste KS Blum. Alors, il y a un film qui s'appelle Shogun in Paris. Est-ce que vous connaissez le film? Non. Shogun in Paris. C'est l'aventure d'une légende de l'Eburnie en Europe qui est en train de dompter, qui est en train de tout plier, de plier le game en Afrique et en Europe. Ça s'appelle Shogun in Paris. Regardons le Shogun in Paris. Regardons ce qui s'est passé à Lille. On est en
Ben voilà, c'était à Lille ce week-end. Notons que Didi B est en Europe depuis quelques jours. Il a eu le temps de refaire sa coiffure, il a eu le temps de se refaire un look, de faire des shootings pour sa page Facebook. Eh bien, ça se passe bien pour le Shogun à Paris. Beaucoup de collaborations, beaucoup de clips. Il parle avec le sourire comme ça. Et puis sourire de ça tellement. Non, c'est un artiste ivoirien, je suis fier. Ouais, ouais. Ouais. Il n'est pas qu'ivoirien, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Oui. Ouais. Oui. D'accord. On va continuer non, dans le rap. Non, mais hésitez, moi, je pense que pour la prochaine saison de Showbuzz, je vais changer ma tignasse. Je vais changer de coiffure. Réfléchis. Les papouas, mettez en caisse, d'accord ou pas? Réfléchis bien. Mais je demande papouas. Ok, d'accord. Ils vont mettre en les cheveux jaunes? Je sais pas, ils vont mettre en commentaire. D'accord, on va rester dans le rap, tu Y a pas de problème, ça. On va rester ça, dans le rap pour voir, donc, aller retrouver Shadow Chris. Qui est en train de faire une collaboration avec les tout-petits. Oui, ça, c'est bien, ça. Voilà, avec les tout-petits, les plus jeunes dans le rap. C'est très bien, ça. Hein, vous le voyez, petit Yakuba. Voilà mon frangin Ricky qui coordonne tout derrière, là-bas. Le coordonnateur. Voilà, le coordonnateur. petit Yakuba, petit... Baoulé. Petit Agnew. Ah, voyez, moi, SK le reflet. Ouais, SK. Non, SK. Oui, j'ai voulu le reflet. Non, SK 07. Regarde. Voilà, SK 07. Regardons l'ambiance studio chez Shadow Chris. Je suis avec SK 07, petit Agnew, petit Yakuba. Ça vient pour vous. Eden, tu es prêt? Ça compte très mal. Ça Voilà, petit, mais ça mousse pour dire que c'est des tout petits, mais qui vont faire fort. On va parler à présent d'une collaboration, et là, on va parler de coupé-décalé. On va parler de coupé-décalé. Safari Lobiang, qui vient en collaboration sur le morceau, bien sûr, de Oyoki Onanayo. Le morceau va sortir bientôt. Ils nous ont juste dit ça en studio. On a juste écouté quelques secondes. Alors, on va regarder ça. C'est comme dans la famille, c'est Yokana, le papa, le maman, le bédé, le agba, vient, c'est mon père, ça finit. C'est pas le fit, il a parlé, il a promis, il a fait, il a. Hé, vieux père, il n'y a pas trop parlé, non, c'est mon goût, c'est Gougou, le bédé, agba, vient, le chanquille, le chanquille, le yatin, le Philippe, une fois. C'est bien sûr, on a rangé la table dedans, ça vient. Oh, dis même pas ton bâton. Yakou Bakouni, la musique des chants. Yamba, c'est le son pour les. Voilà, c'est une fidèle. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Sa vibe, son ambiance, ben écoutez, on attend. J'aime bien. On attend ça. J'aime bien. Merci aux autres pour ces informations. Bébé sans os, projet à court ou long terme? Yes. C'est quoi tes projets? Mes projets, c'est que... Secret. Là... Non, c'est pas secret. C'est pas secret, là. On n'est pas dans secret souris à la fin. Mes projets sont que je suis en train de bosser pour pouvoir faire sortir du loup, comme je l'ai dit. Espérer que ce single qui doit bientôt sortir fasse du loup et me remet encore à la lumière. D'accord. Et en ce moment, sans vous mentir, j'ai activé mes feux de détresse parce que j'ai vraiment besoin d'une production, j'ai vraiment besoin d'un label. D'accord. Et tout de suite, aujourd'hui, on voit ces grands artistes, ces KS, Bloom, etc., dit A, et puis A devient Z, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut derrière. D'accord. Mais moi, j'ai déjà le Z et puis j'ai le A et à l'envers, donc. Vas-y, ça va, voilà, je pense que ça va, bosse, ça va. Ouais, tu as déjà quelque chose. Voilà. Bébé Saos, merci de nous avoir accordé ton temps. Merci d'avoir participé à cette émission. Karina Ozone, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de la ligne à bord dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien, Cheikh Ivan. À demain.
Tu pao, oui, c'est nous, c'est la voix.